Eh bien bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est KiritoKnight 064, en compagnie d'Ishkiti Black et du petit Doggy pour la suite de votre let's play sur Final Fantasy XIV. Landenel a quelques conseils à vous donner quant à la méthode d'obtenir la première des merveilles. Alors, écoutons ce qu'il a à dire. Je réalise que je me suis pas encore présenté. Je suis Landenel, lieutenant de la 6e lance des Vigiles Sombres. Ma lance et ma personne sont à votre service. Si vous le désirez, bien sûr. Pour la petite histoire, j'ai choisi de retourner dans ma Gridania natale lors de la dissolution de la fratrie. Après avoir travaillé ça et là, j'ai décidé de rejoindre les Vigiles Sombres pour combler mon manque de bataille. Si possible, j'aimerais que tout ceci reste entre nous. À part des Thoth, personne ne connaît mon véritable passé ici. Vous savez, l'ordre des Vigiles Sombres est très strict et les mercenaires assoiffés de sang ne sont généralement pas les bienvenus. Bien, assez parlé de moi. Pour vous procurer votre ingrédient, vous allez devoir pénétrer dans le territoire des Adamankelon. Ces créatures font preuve d'une agressivité hors du commun quand elles sont en période de ponte. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Vigiles Sombres ont dressé un périmètre de sécurité autour de leur nid. Connaissant mes hommes, ils refuseront à coup sûr que vous vous en approchiez sans une bonne raison. Mais rassurez-vous, j'ai une idée. Vous allez vous rendre au bas chemin et cueillir une russule charbonnière. Cette région est le repère de dangereuses mouches mangeagariques et votre présence devrait susciter leur colère. Merci. Rassurez-vous, cette bouteille de liqueur de frelon vous permettra d'affaiblir la nuée et de vous en débarrasser en un clin d'œil. Je pense qu'en provoquant ces insectes volants, nous pourrons élever le niveau d'alerte dans cette zone et réduire le nombre de gardes autour du territoire des Adamankelon. Vous pourrez donc vous faufiler dans leur nid plus facilement. Pourquoi je vous demande de recueillir une russule charbonnière, vous dites? Parce que ces champignons sont tout simplement délicieux. Autant joindre l'utile à l'agréable, non? D'accord. Ok, on va faire ça. Ce membre de la fratrie des gabiers est un petit peu bizarre quand même. Ici, il y a une quête annexe. Des Thoth Mosoka Morshoshroka cherchent une bonne âme prête à faire une course pour elle. Le lieutenant Landenel et moi avons souvent l'occasion de discuter. Il me parle de ses voyages au bout du monde, des paysages magnifiques qu'il a vus. Des expériences extraordinaires qu'il a vécues. Ah, si vous saviez comme je l'envie. Je n'ai encore jamais quitté Gridania depuis que je suis né. J'adore mon pays, je suis fier de vous pouvoir protéger la Sylve des Douze avec les Vigiles Sombres. Mais il y a des jours où j'ai envie de visiter les autres cités des Orzea et de partir à la découverte de nouveaux horizons. J'y pense, j'aperçus un marchand ambulant ouldien partir en direction du sud tout à l'heure. J'aimerais beaucoup voir ses produits, mais le lieutenant refuse de m'éloigner du camp. Pourriez-vous le rattraper et m'acheter un petit quelque chose de son pays? Je vous dédommagerai, bien sûr. Ok, faisons ça. Je vois qu'il y a une autre quête ici. Est-ce qu'on prend toutes les quêtes annexes du coin? On fait comme d'habitude? Florent aimerait que vous l'aidiez à récupérer les matériaux qu'il a fait tomber dans le lac. Mince alors, je pensais que j'en avais assez, mais je réalise que non. Dites, vous ne pourriez pas me donner un petit coup de main? J'aurais besoin que vous récupériez des morceaux de bois que j'ai fait tomber en traversant le pont tout à l'heure.
J'y serais bien allé moi-même, mais... J'ai beau avoir une grande hache, je ne suis qu'un pauvre bûcheron incapable de se défendre contre les créatures qui peuplent le lac des racines. Ne vous inquiétez pas, vous serez récompensé de vos efforts. Ok, eh bien faisons ça. La 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 la. Ah, la forêt de sombre linceul, quel endroit agréable. Je pense que c'est ma zone préférée. Pour l'instant, de ce qu'on a vu. Par où il faut passer? Déjà, toute la zone qui est sous le pont, apparemment. Il y a l'air d'y avoir une grande zone centrale aussi là-bas. Bon, écoutez, on se fie à la carte. On va voir ce qu'il y a à faire par là. Ah, d'accord. La Russie, le charbonnière dont nous a parlé Landenel. Ah. Donc nous avons nos moucherons. Ah, là. Si je suis pas sur la bonne barre d'action, ça ne va pas le faire. Voilà, on va essayer de rester un petit peu plus stable que d'habitude, sans trop bouger. Là, t'es une mauvaise habitude, c'est terrible. Allez, petit petit. Est-ce que je peux utiliser... Où est-ce que j'ai foutu? C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Il est là. Hop. La liqueur de frelon. Voilà. Merci les potions. Ah, d'un coup, il perd un peu plus de vie quand même. Ah là là. Et moi, en tant que tank, on peut pas dire que je lui fais perdre beaucoup de santé. C'est pas grave. Faut qu'on s'habitue à jouer tank, hein, c'est tout. Je sais pas si je m'y ferai un jour. Ok, donc ça c'est fait. Du coup, il faut qu'on récupère la Russule que j'ai fait tomber là. Ok. Enfin, j'ai même pas ramassé encore. On s'est débarrassé des moucherons d'abord. On l'a. Donc, on est censé déplacer les vigiles sombres dans le coin. Qu'est-ce que... D'accord. Les amis, on a de la compagnie. Dommage qu'on n'ait pas un peu plus de jours que ça. C'est dommage, c'est la nuit, bon, c'est comme ça. Attention, la barre de vie. J'ai quelques potions encore. Voilà. Alors, apparemment c'est par là. Ouais, j'ai un marqueur orange sur la carte là-bas. On va commencer par lui, c'est le plus loin. Ah, le marchand. Le marchand ouldien et son chocobo. Qui se fait attaquer par des condors. Sors de là, sors de là. Allez, Ish. Tu peux y arriver. Vas-y, Ish. Impec.
Bon, on s'en sort pas si mal. Ah la Fell! Oh là là, j'ai eu chaud aux fesses. Hélas, mon garde du corps n'a pas eu autant de chance. Ces maudits cordons lui ont dévoré les yeux. Pauvre homme. Tenez, mon ami, prenez cet étui de bâtonnet d'encens sous le dien en gage de ma gratitude. Pauvre homme. Ce jeu, tout en finesse. Bon, allez, on continue. Donc, on a deux quêtes de fête, encore deux. Il faut s'occuper des morceaux de bois qu'il a fait tomber l'autre. Ah non, mais juste une, parce que cette l'autre, la dernière quête, ça jette un froid, c'est, j'arrive toujours pas à la valider. Je crois que ça doit être à cause de ma classe d'arcaniste. Mais je veux pas la valider avec la classe d'arcaniste, elle est déjà assez haut niveau. Je veux la valider avec ma classe de gladiateur. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Mais si que ça fait mal, ces petites bestioles. Voilà. Padapapam, pam, 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 pam. Voyons. Morceau de bois. On va remettre celui-là aussi. Et le dernier, il est tout là-bas. Oh, encore? Il est où? Il est derrière. Et Doggy qui sert à rien du tout, il fait que nous suivre. Allez Doggy, attaque un peu. C'est Ish qui fait tout le travail. Franchement, les mascottes, ça sert à rien du tout. Oh, c'est sympa, on se sent moins seul. Et le dernier bout de bois, bon, on l'a vu, il est là-bas en haut de la colline. Ma question, c'est je grimpe là-haut comment? Je peux escalader comme ça? Ouais, ça doit pouvoir se faire, impeccable. La 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 la. Bon, ben toutes les quêtes du coin sont validées, c'est bon. On va rendre tout ça. 1 km à pied, ça use, 1 km à pied. Ça use les souliers. 2 km à pied. Ça use, 2 km à pied. Ça use les souliers. 3 km à pied, décidément. Ah, vous voilà. Vous avez bien récupéré tous les morceaux de bois qui étaient tombés? Les voici. 3. Ah, ils sont mouillés. Je pensais que qu'en les faisant sécher quelques heures au soleil, ça devrait aller. Ces bûches sont pour Buscaron. C'est que les nuits sont froides dans la Sylve des Douze. Et puis, contrairement à la croyance populaire, l'alcool ne réchauffe pas le corps. C'est même tout le contraire. C'est pour cette raison que le tavernier a constamment besoin de bois pour alimenter le feu de sa... Excusez-moi. Cheminée. Merci encore pour votre aide. On prend le steak. Ou l'œuf. Bon, peu importe. La cuisine, c'est pas trop mon dada. Bon, ça a des petits bonus non négligeables, mais c'est pas transcendant non plus. Detto. Vous avez quelque chose pour moi, vous dites? Chic alors. Montrez-moi ça. Bien, de l'encens. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, ne me dites rien. J'ai deviné, c'est un parfum, c'est ça? Bigre, il est puissant. Les outiliens doivent aimer des odeurs fortes. Yaïs.
Le monde est décidément plein de mystères. Ah, j'ai tellement de choses à apprendre. Merci encore de m'avoir apporté ce cadeau, aventurière. Tenez, c'est pour vous, récompense. Tchou ! Pour vous récompenser. On va prendre la popo. Hop. Une, trois super popos. Avez-vous recueilli la russule charbonnière que je vous ai demandé ? La voilà. Oh, Sheik, vous n'avez pas eu trop de mal à battre ces mouches ? À coup d'épée, pas évident. Hein ? Vous êtes une sacrée casse-cou, vous aussi. En tout cas, vous avez fait du bon boulot. Je vais immédiatement ordonner à mes hommes de renforcer la sécurité près des bas chemins. Un casque en acier, un casque en acier. C'est les mêmes choses. On va prendre les pièces. Hop. On enchaîne. Allez, on enchaîne sans temps mort. Hop. L'Andenel. C'est que ces dialogues, c'est fatigant. L'Andenel a un service à vous demander. Maintenant qu'on a la certitude que des créatures dangereuses rôdent près des bas chemins, j'ai une bonne excuse pour demander à mes hommes de quadriller la zone. Après tout, c'est la saison des champignons, et je préfère éviter que les promeneurs du dimanche se fassent agresser par ces fichus insectes. Oui, si tu veux. Je sais que j'abuse de votre bonté, mais pourriez-vous aller au lac des racines et demander aux trois vigies sombres qui le surveillent de patrouiller les bas chemins, s'il vous plaît ? Parce que c'est à moi de les écarter, bien sûr. Alors, le premier, il est là. Vigile sombre, franc. Des créatures dangereuses ont été aperçues près des bas chemins. Très bien, dans ce cas, je vais suivre les instructions du lieutenant Landenel et patrouiller dans cette zone immédiatement. C'est bien. Au suivant. Je le vois pas. Bon, y a les marqueurs sur la carte, encore heureux. Elles sont petites, les Adamankelones, par ici. Si on compare à celle de Final Fantasy XV, qui fait la taille d'une montagne. Ouais. Vigile sombre, vieux jeu. Depuis qu'on a renforcé la surveillance autour du lac, le nombre d'inconscients cherchant à s'emparer d'œufs d'Adamankelon a considérablement diminué. Malheureusement, on ne fait que transférer le problème ailleurs. Dites au lieutenant que je pars immédiatement patrouiller les bas chemins. Ah, si tu savais ce qu'on prépare, le ton lieutenant et moi. Pa-pa-da, pa-pa-da. Ta-ta-ta-ta-da. Pam-pa-dam, 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 pam-pa-dam. Ta-da-ta-da, ta-ta-ta-ta-ta-ta. J'y sombre pompeux. Quelle voix je lui fais à celui-là ? Protéger les promeneurs des dangers de la sylve fait partie des missions qui incombent aux vigiles sombres. Dites au lieutenant que j'ai bien reçu son message. Allons voir l'Andenel. Pam 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 pam. Non, ça c'est un autre registre, ça. Est-ce qu'on va à ce rythme-là? Est-ce que vous pensez qu'on va récupérer l'œuf de la Mankelone dans cet épisode? Ça m'a l'air quand même assez relativement mal parti. Voyons, il est là, l'Andenel. Tout s'est passé comme prévu, on dirait. Parfait, la voie menant au nid des Adamankelon doit être libre désormais. Vous allez pouvoir passer à l'action.
Dans ce cas, on passe à l'action immédiatement. Immediately. C'est pas ce que je veux faire. Voilà, viens avec moi, ça ira plus vite si on doit la combattre. Landonel pense que la voie est libre désormais. Un short. Ça peut être sympa, ça. Non, c'est moche. On joue sur l'esthétique, hein, aussi. Les stats, c'est bien, mais l'apparence aussi. Ah, je suis terrible à ce niveau-là. Bon, qu'importe. Allez, hop. Les premiers rapports de mes hommes indiquent la présence de nombreux monstres au bas chemin. Des renforts supplémentaires devraient être déployés dans les minutes à venir. Notre plan a fonctionné à merveille. Il n'y a plus aucun vigile sombre pour vous mettre des bâtons dans les roues désormais. Moi ? Vous êtes diabolique. Oui, en effet. Vous trouverez l'œuf d'Adam Ankylon que vous cherchez au nord du lac, au nord-est du lac. Préparez-vous bien, car la créature sera prête à tout pour protéger sa progéniture. Sinon, vous me donnez pas un coup de main, vous ? Bon, peu importe. Tu viens, Shadow ? On a une omelette à faire, et on peut pas la faire sans casser des œufs. Alors, la zone est par là. Adam Ankylon, Adam Ankylon. Bon, elles sont pas bien grosses non plus. Toi, toi, sois gentil. Ne m'attaque pas. Non, mais je crois qu'elles ont le marqueur bleu. Donc le marqueur bleu, c'est... Quand elles ont le marqueur bleu sur la tête, ça veut dire qu'elles ne sont pas normalement agressives. Elle a d'un ankylon. Et de taille au moins. Toi aussi, t'es de taille. Pou 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 pou. Attendez, attendez, attendez. Voilà, c'est bon. J'ai la bonne barre d'action, tout va bien. Oh, ça va, elle a pas tant de vie que ça. On va la tomber rapidement avec Shadow. Sur le rocher, sur le rocher. Et voilà. Palapapam, pam, 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 pam. Palapapalapapam. Nickel, on a notre coco. Donc, c'est la première des trois merveilles, c'est ça? On a l'œuf d'Adam Ankylon. Qu'est-ce que c'est, les deux autres merveilles? Je me demande bien. Des vers de terre à pêcher au fin fond d'un lac dans l'Anocéa. Non, je vois bien le coup. On risque de faire le tour des Orzea pour les trouver, ces trois merveilles. Whiskate nous a pas envoyé dans la forêt de sombre linceul trouver l'abdomen d'un Mankelon pour rien, à mon avis. Ça sent la douille. Ouh, il va peut-être falloir arrêter la vidéo aussi. Excusez-moi, je n'ai pas le temps de bavarder. Un nouveau nid de monstres a été découvert au bas chemin et je dois m'occuper d'envoyer davantage de vigiles de la sixième lance. J'ai ton coco. Est-ce bien ce que je crois? Ça alors, vous êtes un sacré bout de femme. Je me charge de faire parvenir cet œuf au vice-capitaine. Ne perdez pas une minute et mettez-vous en quête de la deuxième merveille. Allez à l'oasis oubliée dans le Tanalan méridional et parlez à Wadnoon. Ce Mikote est lui aussi un ancien membre, un ancien mercenaire de la fratrie. Ok, ben les amis, on s'arrête ici. À bientôt et portez-vous bien.